Et comme tous les jeudis, coucou. Voilà, pendant plusieurs semaines, c'est un expresso du jour consacré à Nola Circus, le projet de long métrage de Luc Hannès qu'on avait reçu la semaine dernière sur ce plateau, mettant en scène donc des sportifs de tous horizons. Nola Circus est une chronique qui met en scène les habitants d'un quartier noir d'une petite ville du Mississippi dont les destinées vont se mêler et s'entremêler autour de deux barbershops qui se font face dans la rue principale. Alors parmi les guests, Boris Diaw, qu'on vous avait proposé la semaine passée, et avant de retrouver Ronnie Turiaf ou encore Nicolas Batum, Alexandre Song et consorts, tous acteurs et producteurs de ce projet. Aujourd'hui, Bakary Sagna, le défenseur international d'Arsenal, un Sagna en mode car wash. Et grosse touffe aussi. Je me demande souvent quand est-ce que je vais lâcher mes petites tresses blondes pour l'afro. C'est fait. Maintenant, vous avez eu l'occasion de me voir délirer, de me voir danser, de profiter un petit peu. Bah, comme vous savez, c'est quand même un petit peu dans le cadre d'un nouveau projet qui s'appelle Nola Circus. C'est la première fois où il y a autant de sportifs d'horizons différents, de sports différents qui sont réunis dans le même but, c'est de s'éclater. Le fait qu'il y ait des Ronnie Turiaf, Yann Mahimi, des basketteurs qui jouent NBA aujourd'hui, c'est pas rien non plus. On a l'occasion de faire un petit projet ensemble, donc on le fait. Et c'est vraiment un échange en fait. On a eu l'occasion d'échanger entre nous, de se connaître, d'apprendre à se connaître aussi et d'apprendre à connaître le réalisateur en même temps. C'est quelqu'un avec qui le courant est passé tout de suite et quelqu'un qui écoute énormément, qui nous apprend et qui nous donne aussi son avis. C'est important d'avoir cet échange avec la personne qui va monter ce projet. C'est une vraie comédie. Je pense que je conseille à tout le monde de voir le film. Honnêtement, quand j'ai vu le court-métrage, je suis tombé amoureux tout de suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il m'a énormément plu. Le petit côté décalage dans le salon, c'est l'occasion pour moi et pour d'autres de s'évader, de connaître quelque chose de différent que le foot. D'un autre côté aussi, c'est de ne pas oublier la partie caritative de ce film, sachant qu'une partie sera reversée à des associations pour l'enfance, d'aide à l'enfance.